une broussaille. Il va se noyer. Tant pis si on s'égratine. Oh, pourquoi je m'embête à arranger mes cheveux pendant des heures pour qu'ils soient tout plaqués sous ce truc? Leur règlement est d'un nul. Oh, vous avez vu un loup? Non, c'est pire. Andrew va se noyer. Dégage le passage. Andrew? Quel Andrew? Il est dans le marais. Mais enfin, c'est qui cet Andrew? Si tu veux le savoir, suivons-les. C'est mieux pour les filles que je me sois absentée une semaine. Pourquoi ça? Comme ça, elles ont eu le temps de préparer mon anniversaire. Ah, ouais, c'est vrai. Dis-moi, c'est quel jour? C'est samedi qui vient. En plus, elles ont dû organiser une petite fête aujourd'hui pour mon retour. Y a quelqu'un? Stevie? Lisa? Y a personne? Où est-ce qu'ils sont tous? Contente de te revoir, Carole. C'était bien ces vacances? Pourquoi il n'y a personne? Il y a un quart d'heure, tout le monde a foncé vers le bois. Tes amis en tête. Elles ont pris Starlight. Comment je fais pour les rejoindre? Un chat. Vous avez fait tout ce cinéma pour un chien? On croyait que vous parliez d'un garçon. Oh, bien, mon beau. Ah, bah, tu penses qu'un garçon ferait ça? Oh oui, t'es un gentil chien, Andrew. Tu fais même la fête à Véronica. Salut. C'est une bonne bête. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'on aurait fait si tu t'étais noyé? Je suis bien contente qu'on l'ait retrouvé à temps. Oui. Et moi donc? Je l'aime bien, ce gros sac à puce. Je t'ai un peu manqué à toi, Starlight. C'est vrai qu'il est sale, le pas trop. C'est normal, il y a plein de boue dans les marais. Tu es tout propre. Attends, bouge pas que je te sèche. Carole discute dehors. À toi de jouer. Vous êtes invité à l'anniversaire de Carole. Oh, assez! Lâche-moi, gros sac à puce. Bon. Il s'appelle Andrew. Tu parles d'un nom pour un immonde corneau. Mais t'en prends pas à moi. Ce chien, il est pas à moi. Je m'occupe de lui pour un copain. Ah oui, et tu trouves que tu t'en occupes bien? Il a bien failli se noyer. Oh, regarde-moi ça, c'est de la bave. Ça ne t'embête pas que je t'ai emprunté Starlight tout à l'heure? Belle n'était plus très fraîche. Tu as bien fait. Il y avait urgence. Comme ça, tu as sauvé le chien. Sinon, il y a quoi au programme cette semaine? Oh, juste la routine. Rien de spécial, pourquoi? Dis-leur, c'est l'occasion ou jamais. Je peux avoir votre attention? Tout d'abord, félicitations pour le sauvetage de ce bon vieux Andrew. Je clôturerai dès demain ce coin du bois. Et j'ai une nouvelle pour vous. Le club va héberger un cheval de compétition qui arrive de France. Il s'appelle Hugo. Il sort de quarantaine aujourd'hui. Dis-leur, Lisa. Pourquoi on doit l'héberger au centre? Parce qu'on va accueillir sa propriétaire au Pin Creux. Son cheval la devancera un peu. Il faudra qu'on veille sur lui jusqu'à ce qu'elle arrive. Allez, c'est le moment. Bon, j'ai une annonce à faire pour ma petite sœur. Pour son école, Mélanie doit faire une vidéo à propos de... ce club. C'est ça, mon sujet.
Ça va parler des chevaux et des cours au pain creux. Alors je vous attends tous dans le manège. Je commence le tournage tout de suite. En place pour la première prise. Riding horses in the sun. Looking for adventure. Riding with the wind. It just makes you wanna sing. We're on top of the world. Feeling so high. C'était pas mal, mais on doit pouvoir faire mieux que ça. Lisa, essaie d'être plus à fond dans ton rôle. Quel rôle? Je croyais que tu voulais du vécu. Oui, mais au naturel, t'es un peu terne. Et moi, comment j'étais? Tu es plus dans le coup, toi. C'est sûrement parce que j'ai pris des cours de comédie. Oui, ça sert pour monter. Oui, c'est sûr, surtout pour monter sur ces grands chevaux. Si tu dois faire une autre annonce, ne compte plus sur moi. Je vous remontre l'exercice pour que vous preniez exemple sur moi. Oui, excellente idée, Véronica. Oh, regardez, c'est sûrement Hugo, le cheval dont Max a parlé. Oh. C'est ce côté-là, mon meilleur profit. Essayez le blé. Je vais être la première à le voir, Mélanie. Aucune conscience professionnelle. Allez, viens, mon grand, on descend. Alors, c'est lui, Hugo? Eh oui, c'est lui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est splendide. Un vrai champion. Il a raflé tous les prix, ou presque, la saison dernière. Il faut que vous me signiez ce papier, monsieur. Entendu. Tu vérifies ces marques, maman? Un A surmonté d'un croissant, c'est bien ça. Il a l'air en grande forme malgré le voyage. Hugo est très demandé pour les saillies. Il a l'habitude de voyager. Merci. Ça doit être génial de monter un cheval comme ça. Tu n'auras pas le droit de le monter, ne rêve pas trop. Tu imagines recevoir un cheval de ce genre pour ton anniversaire, ce serait chouette. Ah ouais? Pour ça ou bien pour Noël? Ou n'importe quelle fête. Assez, toi! Fiche-moi la paix! Oh. Espérons qu'un pur sang venu d'Europe apporte un peu de vernis au club. Ce ne sera pas du luxe. Oh, arrête, qu'est-ce que tu reproches au pain creux? C'est un bon club. Tu crois ça? Normal, tu n'as aucun point de comparaison. Mais si tu vas monter en Europe comme moi je l'ai fait, tu comprendras ce que je veux dire. Tu es une énigme pour nous, et il faudrait plus qu'un stage en Europe pour qu'on parvienne à te comprendre. Au moins, dans les centres équestres d'Europe, il n'y a pas de sales corneaux qui traînent dans les écuries, ni de gamines qui te pourrissent la vie en te poursuivant avec une caméra au poing. Mon assistante a laissé la caméra dehors parce qu'on a besoin d'autres prises de vue. On peut continuer? Je viens de déceler les prendre, sœur. Je sais, ça ne fait rien, ça, parce que c'est pas toi qui nous intéresse. J'ai une heure à perdre avant que ma mère ne vienne me prendre. Super, on compte sur toi. Je vais me refaire une beauté, ne bougez pas. Ma pochette. Ta pochette, en tout cas, c'est pas moi. Ni aucune de nous. Il n'y a pas de voleur au centre. T'as dû l'oublier chez toi? Je sais très bien que ce matin, je suis venue avec. Je vous dis qu'on me l'a volée. Qui tu accuses? Je suppose que c'est quelqu'un qui a besoin d'argent. On est tous dans ce cas. Tu crois qu'on est tous dans le coup? Ce n'est pas drôle. Tu te figures qu'on a envie de rire? Scooter, ce matin, il cherchait une bonne poire pour lui prêter un peu d'argent. Il fait ça tous les jours. Il voulait se payer une console de poche. Et il serait venu te voler ta pochette quand il n'a pas arrêté une minute ce matin. Donc ce n'est pas lui. N'empêche qu'il est toujours à fureter partout.
Attends, il ne furette pas. Il installe des câbles informatiques. Il n'est censé travailler qu'à mi-temps ici. Et pourtant, toute la journée, il traîne au centre. Parce qu'il aime être avec nous. Mais ça, ça te dépasse. Tu ne peux pas comprendre. Personne n'aime être avec toi. Non, 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 non. Arrête ça. Quand je m'énerve, ça me brouille. C'est de la télé-réalité, c'est du vécu. Quelqu'un a vu mes bottes? Taille 43, noire. Je parie que vous ne les retrouverez pas. Pourquoi? Parce qu'on vous les a volées. Oh, mais non. Volées? Ça y est, elle remet ça. Oui, je dis qu'il y a un voleur au club. C'est du n'importe quoi, mais tu délires. Ma pochette, maintenant vos bottes. Il ne faut pas l'écouter, Max, elle déraille. Cherche-la avant d'accuser les gens, t'as pu la perdre. Tu vois toujours le mal partout. C'est des histoires de filles ou on peut se joindre à la discussion? C'est la toute nouvelle console de jeu. Chouette, hein? Mais ce n'est pas donné, n'est-ce pas? Je dis ça parce qu'on croyait tous que tu étais fauché. Hein? Scooter, je me demandais, tu choses du combien? Du 43. Pourquoi? J'avais pas assez, mais je me suis arrangé avec le vendeur. J'ai eu une ristourne. La boutique avait son système informatique en panne et je l'ai réparé. Très généreux. J'ai dû lui fournir les pièces. J'aurais pas été volé un membre du club, Max. J'ai des amis ici. Oui, je sais, Scooter. Il y a sûrement une autre explication. C'est pas moi, je vous assure. Il faut retrouver ce voleur. C'est drôle, ça. Cette situation, ça me fait penser à un jeu vidéo que j'aime bien. Vol sidéral. Ouais. L'héroïne emporte tous les trucs qu'elle barbote sur Mars. Parce qu'en fait, c'est une extraterrestre. Ah oui, ouais. Si je comprends bien, ce jeu te fait penser à un membre du centre? Non, en fait, non, ça peut être n'importe qui. Il faut enquêter. Attends voir, ça veut dire que la pochette de Véronica pourrait être sur Mars? Ou en route pour Vénus, dans un dématérialiseur. Je crois que tu passes un petit peu trop de temps à jouer sur ta console. Oh non, j'ai dépassé ce stade maintenant. Je suis un entrepreneur, les jeux c'est terminé. Un entrepreneur? Bah oui, et on doit se diversifier un max pour réussir, sinon c'est la mort. J'ai pas envie de me retrouver à 30 ans à faire toujours le même boulot tous les jours. Ça te plairait qu'on t'enferme dans un box et qu'on te laisse en quarantaine pendant des semaines? T'aurais envie d'aller trotter un peu ensuite. Il faut demander l'autorisation à Max. C'est un cheval qui vaut une fortune. Pourquoi déranger Max? Il a assez à faire sans ça. C'est vrai, c'est gentil de vouloir le ménager. Tu comprends, Véronica lui casse suffisamment les pieds avec son histoire de voleur. Tu risques quoi? Je salue Hugo, je lui fais faire un tour et dans une heure, je te le ramène au paddock en pleine forme. Déjà, je finis mon travail et j'en parle à Max. Je vais toujours le préparer. C'est une très mauvaise idée. Tu verras, Hugo, on va devenir des super copains tous les deux. Ça, j'en suis sûre. Fais attention, Carole. C'est peut-être un cheval difficile à monter, on ne le connaît pas. Et c'est un cheval étranger. Les chevaux sont les mêmes partout dans le monde. Ils n'ont pas de nationalité, ni de préjugés. Quand même, c'est assez risqué. Lisa? Est-ce que tu as la permission de le sortir? Bob va la demander à Max. Il va. Tu es prêt, Hugo? En avant. Hugo, en avant. Hugo. Hugo? Scooter est gentil et il est canon. C'est sûrement pas un voleur. Réveille-toi, Christy. Les voleurs ne sont pas forcément des moches. Et puis, je te signale que tout l'accuse. Il est fauché et il se paye une console. Moi, j'arrive pas à le croire. Ça ne peut être que lui. Il a le profil du voleur. Et si c'est pas lui, c'est Bob, alors? Sûrement pas. Réfléchis, il vient du même milieu que Scooter. Lui aussi, il souffre du manque d'argent. Oh, si seulement il n'y avait plus de différence, si tout le monde était aussi riche que nous, il n'y aurait plus de problème. Ce serait beaucoup mieux. Oui, mais le club du Grand Galop nous pourrirait toujours la vie. Ces trois-là sont d'un...
est-elle ordinaire? Et Steph et Lisa font leur intéressante parce qu'elles organisent cette fête samedi. Une fête? Bah oui, pour l'anniversaire de Carole. On a toutes eu une invitation dans notre casier ce matin. Toutes excepté moi. Je m'en fiche de leur fête, bien sûr. Mais c'est pour le principe. Et elles vont me le payer, ça je te le dis. C'est bizarre. On dirait pas que c'est un cheval de concours et encore moins un champion. Tu ne penses pas qu'il est encore perturbé à cause du décalage horaire? Il a eu 3 semaines pour récupérer. Tu n'es pas bien? Oh, c'est toi qui ne vas pas bien. Comment ça se fait que tu as invité tout le monde à cette fête, sans doute pitoyable, en l'honneur de Carole, à part moi? J'ai mis une invitation dans ton casier. Oh, arrête de mentir. Elle est là. Alors comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvée? Oh, mon sac n'est plus là. Tu vois? Ne cherche pas l'explication, on la connaît. Et c'est quoi? Scooter a encore frappé. Scooter, c'est toi qui te cachais ici. C'est peut-être bien toi, tous ces vols. Est-ce que tu es sérieuse? Carole! Il y a Max qui veut te voir. Ça m'étonne pas. C'est à propos du nouveau cheval, c'est ça? Oui, il y a des chances. Danny, est-ce que Steph et Lisa ont prévu quelque chose de spécial samedi? Samedi? Samedi... Le jour qui suit vendredi. Prévu quoi? Je sais pas, moi, quelque chose de spécial. De spécial, hein? Ah, laisse tomber. Tu n'avais pas l'autorisation. J'ai dit à Bob de vous la demander. C'était la bonne démarche, mais d'habitude, on attend la réponse. Je sais. Pardon, Max. Hugo n'est pas commode. Il aurait pu ruer ou se cabrer. Oh, non, pas lui. Il est aussi doux et paisible qu'un agneau. Hugo? Vous êtes sûr qu'il a remporté autant de prix? Oui, je suis sûr. Pourquoi? Je n'arrivais pas à le faire avancer. Il fait peut-être des caprices de star? Peut-être bien. Dis-moi, tu n'as pas remarqué quelque chose de bizarre dans le comportement de Scooter? Oh, Max, Véronica est à côté de la plaque, comme toujours. Ah oui? Elle croyait qu'Andrew était un copain. Mais c'est un ami, n'est-ce pas? Sauf qu'il n'est pas humain. Exact. Véronica a dû égarer sa pochette. Oui, sans doute. Max! Max, mon sac a disparu. Attention, tu es sûre que ça enregistre? Oui. Les écuries du Pin Creux sont connues partout à travers le monde. Aujourd'hui, ce cheval est arrivé de France. Les Français disent, on adore le Pin Creux, eux aussi. Coupez! Maintenant, il nous faut un plan rien que du cheval. Oh non, j'aime bien tenir la caméra. Alors, en inverse, ce coup-ci, je tourne et tu le tiens. Ashley, la réalisation, ça demande un grand savoir-faire. Il ne suffit pas de placer la caméra et de dire moteur. Tu te charges d'Hugo, emmène-le là-bas. Il y en a marre, Mélanie, c'est mon tour. Moi, espèce de sale bâtard! Va baver ailleurs que sur moi, saleté! Débarrasse-moi de ton cabot! Quand on lui parle gentiment, il obéit. Essaye. Il te sert de guetteur, c'est ça? Non. Juste de chien. Je sais ce que tu trafiques dans ton coin. Ouais. Je pose du cap dans le club.
couverture parfaite pour fouiner tranquille. Si je comprends bien, vous vous promeniez dans la cour à côté de l'enclos bien tranquillement et d'un seul coup, Hugo a sauté la barrière et s'est enfui au grand galop. Il a sauté la barrière. Tu sais combien cette barrière fait de haut? Non, c'est plutôt ça. Il rechignait rien que pour trotter, alors sauter... Ce serait pas arrivé si tu m'avais laissé tourner. Vous vouliez filmer, Hugo, c'est ça? Tu avais promis de te taire. Peu importe comment c'est arrivé. Dis-nous par où il est parti. Je sais pas, c'est dur à dire. De quel côté? Par là-bas. Suis-moi. Pochette, j'en étais sûre. De là. Il faut aller chercher Bob et Max. Non, il s'est déjà bien enfoncé, on ne peut pas le laisser. Il risque de se casser une jambe. C'est à cause de Mélanie, tout ça. Que ce soit sa faute ou non, ça change quoi? Oh non, qu'est-ce qu'on va faire?